Bonjour, dans cette capsule, nous allons apprendre comment créer des dossiers dans Learning Apps pour gérer ces applications. Donc, une fois que ton compte est créé, il te suffit, lorsque tu vas sur le site learningapps.org, de te connecter. Donc, je clique sur « Me connecter », je valide que ce sont les bonnes informations qui sont entrées ici et je fais « Connexion ». Une fois que je suis dans mon compte, j'ai accès à mon espace. Donc, à droite, je vais voir apparaître mes applis. Donc, je vais cliquer ici sur « Mes applis ». Et je vais voir les applications, soit que j'ai enregistrées ou que j'ai créées, apparaître ici dans mes applis. Donc, on voit que j'ai déjà deux dossiers. Je vais créer un nouveau dossier. Simplement, ici, d'abord, inscrire le nom du dossier, puis cliquer sur « Créer un dossier ». Le dossier apparaît maintenant ici. Il me suffit d'ajouter des applications dans le dossier. Donc, par exemple, ici, j'ai créé « Mathématiques ». Donc, je vais envoyer l'application « Les solides » dans mon dossier « Maths ». Donc, pour ce faire, quand je suis sur l'appli, quand je la survole, on voit apparaître des petites icônes. Donc, le troisième icône, c'est de déplacer l'appli dans un dossier. Donc, je clique et je sélectionne le dossier. Et voilà, mon appli est maintenant rendue dans Maths. Je continue comme ça à faire mon ménage. Donc, je pourrais également envoyer ici cette appli dans mon dossier français. Même chose pour l'appli qui est ici. Donc, le petit dossier est ici à ce moment. Dans français. Donc, vous voyez, quand on survole, c'est une appli qu'on a créée nous-mêmes, on a plus d'options que lorsque c'est une appli qu'on a été récupérée comme celle-là ici. Donc, voilà, c'était comment créer un dossier et gérer ses applications dans Learning Apps.